Il nous voit bien, ça c'est sûr, mais nous autres, on ne voit pas. Bonjour, mesdames, messieurs. Comme disait M. Louis tantôt, c'est une première. J'espère que je vais avoir continué ça à tous les mois. Étant donné que nous allons investir dans plusieurs bâtisses de la ville de Saint-Étienne, et c'est comme je disais, que, comme j'ai parlé avec les rares de communication, je voudrais savoir où est-ce que l'argent va aller dans la ville. Étant donné que la ville de Saint-Étienne, avec les membres du conseil, que je souhaite la bienvenue ici ce matin, que nous allons investir, comme je disais tantôt. Que j'ai dit à moi-même, j'ai dit, on va savoir les personnes, je veux que toute la population sache où ce que l'achat va aller. Si le compte de taxe demande à différents niveaux, bien, l'argent, je l'aurais investi dans des bâtisses ou dans d'autres endroits. Que, en fin de compte, c'est pour ça que ce matin, bien, je convoque un petit peu toute la population pour venir ici venir discuter avec moi et avec Mme Bobonnière et vous expliquer le projet ici. Étant donné que c'est le projet de la salle Godeligne, on va commencer par la salle Godeligne aujourd'hui. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Marie-Josée Bourbonnet, directrice générale d'Azimut Diffusion. Tout d'abord, merci, M. le maire, de nous permettre, en fait, de bien expliquer le projet à l'ensemble de la population. Merci aux gens qui se sont déplacés ce matin. Je voudrais dire que ça fait 21 ans que je travaille pour Azimut Diffusion et c'est, à mon avis, un des plus beaux métiers du monde, celui de diffuseur culturel. Le métier de diffuseur culturel, c'est un beau métier parce qu'en fait, on donne du bonheur aux gens. Ne serait-ce que le dimanche matin, lorsque les gens viennent écouter un concert de musique classique, ils repartent, les oreilles pleines de musique, ils sont heureux, ça part bien la journée. Dans deux semaines, on aura ici environ 5 représentations avec 300 jeunes qui vont venir, des petits de 5, 6, 7 ans, qui vont repartir les yeux brillants après avoir vécu une expérience de théâtre. Donc, c'est un beau métier que l'on fait. Le jeudi, nouvelle formule, 5 à 7, dans une ambiance conviviale, on fait découvrir des artistes. Tout ça, on le fait chez Azimut Diffusion avec une petite équipe, une équipe restreinte, une équipe de gens passionnés qui donnent beaucoup de temps, mais, parce qu'il y a toujours un mais, on le fait dans des conditions qui sont difficiles. Depuis 20 ans, on exerce notre métier dans des salles qui sont plus ou moins adaptées aux normes du milieu. Et c'est pour ça qu'en 2009, on a déposé auprès du ministère de la Culture, des Communications et des Conditions féminines et Patrimoine canadien un projet pour rénover la bâtisse ici. Il faut savoir qu'avant d'avoir déposé ce projet-là, on avait quand même fait des études. Et le résultat de ces études-là a fait qu'on a décidé de rénover cette bâtisse-là. On aurait pu décider de construire une nouvelle salle, on aurait pu décider de rénover une polyvalente, mais l'option qui s'est avérée la plus intéressante,